Bonjour tout le monde. Bonjour. Je vais vous montrer comment faire pour passer des appels avec son iPad 2. C'est très simple. Là, j'entre dans mon iPad. Voici la fonction message avec laquelle l'iPad est livré. C'est la fonction classique. Ça n'a rien à voir avec la fonction SMS que nous allons découvrir tout à l'heure. Là, je la mets sur la barre pour faciliter la comparaison. J'avance maintenant pour rechercher les deux fonctions que vous tous vous attendiez. C'est la fonction SMS et la fonction appel. Pour vos SMS, il suffit d'entrer dans la fonction appel et dans la fonction SMS et vous lancez vos SMS. Vous écrivez le message, vous tapez ici le nom et puis vous envoyez le message. Donc là, vous tapez ici le numéro et vous écrivez le texte et puis vous envoyez. Ça passe. Ce qui m'intéresse, c'est plutôt la fonction appel. Voici, elle est là, vous avez les touches. Là, je vais simuler un appel, je peux appeler mon numéro. 221. Et je passe un appel. Je vais appeler sur le numéro qui est là à côté. Voyez? Voilà, et là, je peux décrocher. Bon, pour savoir comment faire, pour oui, là c'est le numéro qui appelle, là c'est le numéro qu'on appelle. Et maintenant, pour savoir comment faire pour installer tout ça, je vous demande d'entrer dans mon site web libambasec.com. Je vais vous montrer tout ce qu'il faut installer pour avoir l'application appelle. Merci à tous.